Je ne sais pas, Dikin, arrête de parler. Ouh. Oh, qu'est-ce? C'est pas une bonne idée ce que je vais faire, c'est pas. Oui. Oui, d'accord. Est-ce que toi? Ouh la vache! Ah par contre chute. Ils utilisent des pouvoirs mentaux. Extraction. Intelligence décrue. Ouf, t'es de ma gueule. Ouf. Je suis à moins combien d'intelligence là? C'est bon, j'ai un bon gros malus. Je suis à moins 4 en intelligence. Est-ce que. Ok. Très bien. Donc je retiens. Ouvrir un coffre, c'est mal vu. Alors faisons d'une manière plus simple. Ouvrir un par un. Verrouiller. Ah, verrouiller. C'est mignon. Bonjour. Oh. Bonjour. Ah, bonjour. Non mais. Non mais. Ouais. Ouais, mais moi je vais attaquer en fait. Ouais, d'accord. Bon, rappelez-moi ma quête déjà. Rappelez-moi ma quête concernant les illilites. Parce que je suis pas. Merde, putain, j'ai failli me tromper. Zorbakmur, alors. Ah. Je dois trouver le cerveau ancestral. Et ensuite, je peux piller tout le monde. D'accord. Ah bah oui, mais en même temps, si vous expliquez pas. Alors, marche aux esclaves. Esclaves, esclaves, portail vers le grand hall. Est-ce que c'est ça? De toute façon, complexe marchand. Oh, vas-y, je vais y aller aussi. Faut que je trouve le cerveau ancestral. Déjà, pour commencer. Oh, salut toi. Bonjour. Qui êtes-vous? Puis-je vous poser des questions? Puis-je trouver. Oh. L'entrée de la grande chambre vous trouve au sud-est de la ville. Parfait. Qu'est-ce que tu as à vendre? Oui. Guérison suprême, antidote, oui. Soins intensifs, je t'en prends 3, 4. Objets magiques, quelques ongles, des dés, des machins. Top. Quelques trucs intéressants. Au sud-est, tu as dit. Au sud-est. Eh bien, allons-y. Bon, on marche aux esclaves. Allez, on marche aux esclaves. Bon, on va quand même essayer d'explorer un petit peu toute cette ville. Cette vie. Eh ben, souterraine. Voilà, je ne sais plus comment. Oh là. Nous commençons bientôt les enchères pour le prochain. Une femme humaine. Je dois encore acheter un esclave humain. Ah, oui, bonjour. Moi. Bonjour. Voilà, par contre, excuse-moi. Oui, bon. Le prochain lot est une femme humaine, un spécimen remarqué à la première d'une lignée très saine et tellement compétente pour moi le sujet. J'ai quelques questions, ouais. Bon, d'accord.
Parlez-moi de l'esclavage en question. Le prochain, ok, commençons l'enchère. Attention, vas-y. 1000 balles. 1110. 1300. Vous savez. 1500. 1500. 2000. C'est trop cher, j'en donne. 2000. 2500. 2800. 3000 et tu fermes ta gueule. Rappelle-moi combien j'ai et un demi-million. 5000. Les voilous. Bonjour. Est-ce que j'ai sauvé quelqu'un? Bonjour. Le sort qui a prisonné Fred Stefan est débridé, mais moi. Alors bonjour, c'est vous qui m'avez acheté quand vous comptez vous faire mon la chose d'un le crash. Je vous rendre ta liberté. Vous comprenez qu'elle a raison si elle sait qu'elle n'est plus sous contre-montage, c'est sûr. Non, parce qu'il va falloir faire croire qu'elle est. Ok. Oui! Elle hoche la tête. Il donnait un faux message à l'éthique. Voilà, c'est bon? Allez, maintenant tu fermes ta gueule. 1000 points, 1000 points contre 5000 d'or. Est-ce que c'est pas la sortie en fait, espèce de grosse conne? Et là, c'est pourquoi? Enclos des esclaves. Oh, si je peux faire une révolution, mais alors là. Oh, une révolution? Oh, ce serait trop bien! Ce serait ouf! Ah, oui. Tu n'aimes pas le profond, là. Ah, oui. Oui, moi, ouais, écoute. Bonjour. Bonjour, bonjour. Monsieur, bonjour, comment allez-vous? Vous n'avez pas l'air de résister, j'ai pas l'air de résister. Qui êtes-vous? Qui est cet endroit? Ce sont les cas, c'est moi qui ai l'air de résister. J'ai bien lui faire une main. Vous êtes par l'esclave, pourquoi cerveau hésite? Parce que j'en ai rien à faire au sujet de leur tentacule de mon chéri cerveau. Parce qu'il est malade! Ah, d'accord. Ah, oui, bon, d'accord. Là, vous avez trois boulots, lol. Faut que j'aille. Je peux pas voir. Ravageur d'intellect. Ah non! Non, non, non. Bon, eh ben on va parler au cerveau. Hein, je pense qu'on est bien parti pour faire un bout de quête en une session. Je sais pas comment je vais découper pour avoir 4 épisodes, mais. Mais je pense pouvoir y arriver. Par contre, ça rame un petit peu, va falloir arrêter. Ouh, alors toi! Ouh, alors toi! Oh, toi, t'es. Toi, t'es. Toi t'es vif. Toi t'es vif. Ouais. C'est le mot. T'es vif. Non, par contre, je voudrais pas. C'est. Merci. Bonjour. Je voudrais parler au grand cerveau. Mon cul l'habite. Bien sûr, la caisse vous protège. Ah bah, tu vas te faire foutre. Je viens de parler de la Valcharès. Dit que vous avez accès au conclave des anciens où ils pourront entrer en portant ce casque. Très bien, j'enlève mon casque. C'est maintenant que le coup de bluff va se faire. Faut que j'entre au milieu. Est-ce que j'ai Oh, ouais, d'accord. Waouh! Maintenant, le coup de bluff. Oh, qu'est-ce que c'est que cette. Ah, c'est dégueulasse! Alors, les images changent, ils se meurent, la présence s'exprime dans votre film. Mais... Est-ce que t'as une voix? Vous entendez une puissante présence? Vous avez pu accéder au sanctuaire, privilège insigne pour une créature inférieure.
Nous lisons l'ombre de vos pensées, insectes. Nous voyons que la Valcharès est votre ennemi, et que vous savez que les Illitis sont ses alliés. Est-ce la raison si votre volonté de rencontrer le chef spirituel de Zorbakmur? Oui. Zorbakmur n'est qu'une infime partie d'un tout. De par l'outre-terre, les chefs spirituels de nombreuses colonies d'Illitides ont juré allégeance à la Valcharès. Nous autres chefs spirituels sommes réunis au sein du conclave des anciens. Seul un consensus de tous les chefs spirituels peut mettre un terme à l'alliance avec la Valcharès. Jamais une créature inférieure ne sera entendue par le conclave des anciens. Mais nous, chefs spirituels de Zorbakmur, pouvons demander au conclave d'abandonner la Valcharès. Sérieux? Les Illitides détestent les Drow, ce sont des créatures inférieures. Pourtant, en dépit de cette haine, nous avons été forcés de soutenir la Valcharès et son armée d'elfes noirs. La raison pour laquelle nous soutenons la Valcharès, c'est la relative vulnérabilité de beaucoup de nos colonies face à son armée. Si nous pouvions lui faire face, nous serions en mesure de rompre cet accord. Et que puis-je faire en ce sens? Nous autres, nous avons autrefois capturé une créature d'un étrange village ici en notre terre. Ce village est peuplé d'elfes ailés venant de la surface, qui viennent désormais sous terre. Dans son esprit, nous avons appris l'existence d'un puissant artefact, un miroir magique dont les elfes se servent pour espionner leurs ennemis. Un tel objet nous donnerait le pouvoir de faire face à la Valcharès. Si vous nous donnez ce miroir, nous, chefs spirituels de Zorbakmur, convaincrons le conclave des anciens d'abandonner la Valcharès. J'ai pris la caisse. Ouais, j'ai quelques questions. À la début de l'image, vous essayez. Nous avons besoin du miroir et nous. Telle la base de notre relation insecte. Ok. Ah, si je vous aide, je veux que vous cessiez le commerce d'esclaves. C'est impossible. Les Illitides ont besoin d'esclaves pour survivre. Le conclave des anciens. Ok. Je me vais récupérer le miroir, je reviens. A votre retour, les gardes vous permettront d'accéder à nouveau au sanctuaire. Quand vous nous aurez apporté le miroir, nous convaincrons au conclave des anciens d'abandonner la Valcharès. Nous, chefs spirituels de Zorbakmur, attendons votre retour. Et bah, c'était cool. J'ai même obtenu un bouclier de défense. Et ils m'ont remis mon casque. C'est trop bien. Alors, déjà, j'ai obtenu un bouclier de défense qui est objet obtenu, bouclier de défense. Ouais, il est où? Est-ce qu'il est trop gros pour... Ouais, non, ou alors c'est juste une blague. Armure. Ah, c'est ça, d'accord. Alors, ok, et donc, J. Alors, Zorbakmur, vous avez promis, on va trouver un miroir magique, un échange qu'on va craquer le cerveau d'une esclave. Vous avez mis au point un stratagème pour libérer les esclaves à cause des pouvoirs de Nina. Un faux message, tout ce qui est lié magiquement, les utiles, considérant qu'il est une de vos esclaves. Une fois de retour au camp rebelle, vous pourrez lui dire la vérité. Ok, donc ça, faut que je revienne. Alors. Un miroir magique au maître cerveau des Zorbakmur. Un échange qu'on va craquer. Ouais, il faut que je retrouve l'elfe qui a donné. Ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon lien. Je voudrais placer un lien. Non, ça sert à rien. Quoique si, je vais placer un lien ici. Au moins quand je reviens, c'est fait. Puis j'ai quand même des pierres solitaires. Je peux en user quelques-unes. Et je vais me téléporter jusqu'à la maison des portes. Afin de revenir. De revenir, déjà. Oui. Cœur de la ville et des portes. C'est super important. Et que je déjà. Bah, que je retrouve le. Bah que j'aille voir la Valcharès. Non, la prêtresse. Pas la Valcharès. Au con. Puis en même temps, je vais aussi voir l'esclave. Donc déjà. Voilà. Ouh, demi-tour. Alors, elle est où? Ah, esclave libéré. Parfait. Bonjour. Bonjour. Ok, c'est cette femme. Alors, 3 points dans le bon. Mise à jour. 500. Parfait.
Une fois la Valcharesse vaincue, la prophétesse m'a promis d'envoyer des éclairs. Ah, parfait. Madame la Valcharesse. Tout se passe bien. Avez-vous des nouvelles? Avez-vous réussi à affaiblir la Valcharesse et ses suivants? Voilà, c'est désormais yeux. Ouais. Ouais, on va dire que j'ai fait un bluff. J'ai quelques questions à poser, je suis dans un point, vous êtes une rose, vous êtes... ouais, j'aimerais des soins, s'il te plaît. J'ai besoin de soins, s'il te plaît. Que tu m'enlèves ce malus de merde. Merci. Toi? Non plus. Une elfe ailée. Une elfe ailée. Alors, je ne sais pas de quoi il a parlé. On est d'accord qu'il faut que je trouve un miroir. Alors, où trouver un miroir? Bon, attends, ça c'est bon. Quête optionnelle. Miroir magique, en échange, je convaincra. Le miroir magique. Ça sonne tellement moisi. Alors, miroir magique. Un miroir magique, une elfe ailée. Ouais. Je vais retourner à Zorvac Mur, parce que j'ai pas bien compris, lol. Ah, je vais peut-être mourir. Mais c'est pas grave, parce que j'ai pas suivi. Enfin, si, une elfe ailée, mais il m'a pas donné... il m'a pas donné plus d'indications. Et c'est la première. Oui, à Zorvac Mur. Oh, c'est tellement... Bonjour. Dekin, ramène-toi. Non, pour Dekin, on s'en bat les couilles. Dekin, on s'en fout. J'ai quelques questions à vous poser. Ah, mais... Que j'ai gagné. Ah, je n'aime pas vos manières. Ah! Bon, d'accord, il m'aide pas. Pas du tout. Ce qui est dommage. Bon. Je ne sais pas quoi faire. Là, je vous avoue actuellement que je suis un petit peu bloqué. Oui, on va dire que je suis bloqué en fait. C'est ça. Donc, du coup, bah, est-ce que je dois utiliser cette fameuse la fameuse solution? Pff, franchement, je pense que ouais. Je suis désolé pour ceux qui ne voulaient pas. Bon. Alors, je viens de voir une solution qui me conseille de casser les culs. Basiquement, c'est casse des culs, vas-y frère. Vas-y frère. Et merde. Ouais, donc on va suivre la solution. Je suis désolé pour ceux qui ne voulaient pas que j'utilise la solution, mais... voilà. C'est compliqué. Bon, ça va être la première fois que je sais, ce sera pas la première fois que je triche, hein, le God Mode, on s'en souvient. On s'en souvient du bon God Mode de merde. Parce que le jeu a décidé de me casser les couillox. Et puis si vous êtes comme ça, moi au moins j'augmente les épisodes, la durée. Et voilà. Alors, je vais te poser. Alors, ils me disent de l'attaquer. Nous détruire, c'est inutile. Alors, c'est vous tuer et je me fais normalement téléporter. Non, oui, non, si je me fais téléporter, voilà. Voilà.
Parce que là, les dieux sont allés vous réveiller comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je vais la suivre. Parce que je suis obligé aussi. Bon bah voilà. Eh ben c'était pas mal, hein. Moi j'ai envie de vous dire que. Fou. Ah là là, c'est incroyable. Ah là là, ah là là, qu'est-ce que c'est? Ah là là. Ah, c'est un jeu 20 sur 20. Un jeu. Oh putain, incroyable. Ouais, allez. Voilà, voilà. C'est. Ah là là. Ah, c'était une des fins du jeu. Ah. Incroyable. Incroyable. Quelle fin. Ah, magnifique. Je pense que c'était une fin un peu troll. Mais restons sérieux. Franchement. Franchement, le jeu va t'attaquer. Donc voilà, as blablabla. Voilà, donc. Nous sommes dans une carrière. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je ne crois pas à ce qui m'entoure et je réussis. Voilà, car tout ceci n'était qu'une illusion du tyrannœil. Ouh! Ouh là là! Ouh là là! Non mais... Le tyrannœil s'en va. Ok, alors toi. 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 Surtout toi qui vas m'ennuyer. Je suis... Oui, attaque. Je suis échec au... Je suis d'accord. Voilà, attaque, espèce de salaud. Oh la vache. Allez, on y croit. Allez. Est-ce que je vais mourir possiblement? Voilà, petite sauvegarde. Et on va faire le nécrophage invoqué parce qu'il me pète les burnes. Toi, c'est toi que je veux battre. Je vais prendre une potion. Prends une potion. Parfait, voilà. Comme bon, bah, c'était bien Garizon Suprême. Voilà, allez. Allez. Alors, la zone, s'il vous plaît. De toute façon, plus tu recules, plus je vais te choper loin. C'est vrai que les tyrannais, c'est quand même masse d'XP. Oh, alors, toi. Toi. Oh, polo. Oh, le diantre forcé. Oh, putain. Il a esquivé mes attaques. Le salaud. Bonjour, j'aimerais. J'aimerais t'attaquer, en fait. Non, mais arrête. Arrête d'esquiver. Ah, j'ai mis un petit 14. C'est pas mal. Bon, alors, il fait tomber des météorites, mais... Ah, salut. Mais il va en invoquer combien? Bon. Il va en invoquer plein. Non mais j'aimerais le tuer. Bon. Toi tu m'ennuies. Non mais c'est bien, hein, je le touche pas. Bon, à la limite, si je le touche pas, je le touche pas.
Je vais pas m'acharner. Pim, mes 0 dégâts. Il me met aucun dégât, ouais. Donc, alors. Ah, là-bas, je. Il y a un truc là. Non. Non, il y a rien. Rien du tout. Non, je dois vraiment tout, tuer tout le monde. Ah mais vous vous rendez compte que ça va être chiant. Je sais pas. Non, vous vous rendez pas compte. Non mais ça va être chiant les mecs. C'est-à-dire que... Non, ça marche pas comme ça. C'est-à-dire qu'on s'ennuie. En fait. Ah, il m'a attaqué. Par contre, lui... Ah, il me la met. Putain, mais camouflage 50%, mais tout. Mais attaque-le. Waouh, parfait, maladie. Bon, bah, vas-y. Va-t'en. Gros personnage. J'aime bien parce que j'aime beaucoup quand même. Parce que ouais, je peux attaquer personne. Enfin, lui, je peux pas l'attaquer. Alors que ce serait bien. Voilà, je sens que je dois encore utiliser le gun mode. Là, j'ai mis un dégât. Je lui ai mis 0 dégâts. Et je suis. Voilà, je suis incubé. Voilà. Bon, je peux mourir. Allez, laissez-moi mourir. Voilà, donc c'était nul. Donc complètement. Là, c'est en train de m'énerver, par contre. C'est en train de m'énerver. Putain, mais c'est incroyable ça. Même les attaques sournoises, ça marche pas. M'énerve. Attendez, j'ai pas un truc, une poussière de merde. Alors, un poussière. Ah, d'accord. Alors, utiliser. Non. Utiliser. Sur lui. Ah, si ça marche. Bien joué. Si ça. Ah. Ça marche. Attaque-le. 3. 4 rondes. 5 rondes. Voilà. Est-ce que ça a servi? Oh! Voilà! Putain, ça a servi là. 50. Oh, que c'est long. Putain, et puis je... Ah, qu'est-ce que ça sert? Voilà, et maintenant il me remet des patates de foin. Mais j'ai pas un truc contre le... Pas la magie, mais... c'est les dés de tonnerre, ça sert à quoi déjà? Moi j'ai utilisé tous les objets en fait. Utiliser pierre de tonnerre, pas sur moi mais sur lui. Voilà. Ah, j'utilise tout par contre là. Ça, est-ce que ça a marché? Bien sûr que non. Ah oh, bah oui, un cuba. Putain, mais qu'est-ce que c'est énervant. Qu'est-ce que j'ai? Puis j'ai rien d'autre. Mais j'ai absolument rien d'autre. J'ai genre absolument rien d'autre, ouais.
Ah, qu'est-ce que c'est bien ce genre de combat. Moi je m'amuse. Je sais pas comment je vais faire en montage, mais je m'amuse.